Pour ma part, depuis des dizaines d'années, j'ai toujours essayé d'avoir, d'avoir une pensée qui soit hors des, du flot d'informations dans lequel nous sommes baignés. Pour prendre un exemple, je voudrais vous dire quelques mots sur le couple infernal démocratie-consommation. Dans cette affaire, depuis 1945, nous vivons dans un monde qui est démocratique et qui propose aux citoyens de consommer de plus en plus. Pourquoi de plus en plus? Parce que simplement en démocratie, pour se faire réélire, il faut promettre que l'on vivra mieux demain et que nos enfants vivront mieux que nous. Nous en sommes arrivés même à nous endetter collectivement, presque au même niveau que lors des guerres mondiales, et nous sommes rattrapés par ce boulet, nous sommes attachés par ce boulet, suite à des dizaines d'années de promesses à moitié tenues peut-être, mais à moitié pas tenues, mais à moitié tenues quand même, qui ont abouti au fait qu'on consomme de plus en plus, et on produit de moins en moins d'ailleurs, et je ne vois pas comment, c'est le problème que j'ai, un des problèmes que j'ai sur notre société, je ne vois pas comment on va désaccoupler démocratie et consommation pour sortir de ce cercle infernal et vicieux. Alors les quotas dans le monde du football, c'est juste une ignominie, c'est juste à vomir, c'est juste la honte de la France. Et j'aimerais faire ressortir deux cas bien connus. On a d'un côté Anelka, un grand footballeur, pas reconnu par la France, qui à un moment donné s'est exprimé dans un vestiaire, donc un lieu clos, avec son entraîneur, dans un contexte de compétition à haut niveau. Et ce jeune homme a subi un véritable lynchage médiatique, soutenu par les politiques. Il a été traqué jusque chez lui. On l'a filmé jusqu'à devant son domicile. Puis de l'autre côté, on a Laurent Blanc, sélectionneur de l'équipe de France, certainement bien sous tout rapport, qui lui a le droit de s'exprimer sur des quotas dans le football. Donc il y a des propos qui tombent sous le coup du code pénal et qui s'en sort avec un petit moment difficile pour lui et soi-disant sa famille, parce que peut-être qu'Anelka, lui, n'a pas de famille. Donc il tente dans un premier temps de mentir et de nier en bloc, et dans un deuxième temps, il s'excuse à n'en plus finir. Mais concrètement, les Français se contrefichent des excuses de Laurent Blanc. Ils ne méritent tout simplement pas de représenter la France au niveau international dans le football, tout simplement. Et je ne lui fais pas confiance. Laurent Blanc, pour moi, est un raciste, mais Laurent Blanc est à l'image de la France en 2011. Voilà. Ça fait 24 jours qu'on est là, et là aujourd'hui je voudrais m'exprimer, mais moi ma façon de m'exprimer c'est en texte, donc j'espère que le caméraman derrière il entend bien, et c'est pour tout le monde. Citoyens, réveillez-vous pour que vos enfants soient fiers de vous. Parole du peuple ou parole du SDF, on est tous unis pour pas finir comme AZF. 30 ans de service ou 30 ans de bravoure pure pour qu'à la fin ça finisse en vice de procédure. Je vais rien changer, on va pas faire de miracle, mais levez la tête, ils ont bombardé l'Irak. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Un indigné, ça le restera à jamais jusqu'à dans sa tombe. J'ai des crampes à l'estomac d'imaginer mon avenir. Une place de cinéma vaut plus cher qu'une heure de travail sur un navire. Ce pays est malade, il faut changer de docteur car c'est très délicat. Il a un problème au cœur. On nous parle de mondialisation, de la France de demain. Citoyens, s'il vous plaît, levez vos deux mains. Comprenez que ce n'est pas un accord de paix, ni un accord de principe. Levez-vous demain, j'ai bien envie de voir ce que l'État a dans le slip. Indigné ou pas, peu importe. Une chose est sûre, c'est qu'on t'ouvrira toujours la porte. La peur n'a jamais rien apporté, c'est l'affronter qui lui fait son succès. Apporter un peu d'amour ou apporter un peu de pain, les deux sont la même. C'est ce qu'on retrouve dans l'âme d'un humain. Mais où sont passées ces valeurs?
ces règles de conduite ne sont pas, c'est ces histoires que l'on raconte avec nos tripes. Au début, on est tous un peu sceptiques. On va être franc, on se demande tous ce que font ces types. Est-ce qu'on est en France? Indignés, on a tous une certaine vision du monde. Pour ma part, moi, j'en ai rien à foutre d'être un grand de ce monde. On est, au fond de nous, tous un peu solidaires. C'est pour ça que quand de même vie se ressemble, on devient solidaire. J'écris ce texte parmi vous, parmi ce camp. J'écris ce texte parmi vous, parmi ce plan. Souvenez-vous des 300 et des Perses. Souvenez-vous que l'amour de la guerre a fait couler la Grèce. Et si un jour ça marche pas, que nous sommes anéantis, alors c'est pas grave. Car souviens-toi que t'as vécu parmi les braves. C'est ça le dédicace pour les indignés. Bilal, représente. Bah ok, c'est bon, j'ai plus rien à dire, mec.